sentez satisfait de cette rencontre? Pardon? Est-ce que vous sentez satisfait de cette rencontre? Le communiqué, je ne sais pas s'il faut appeler ça du communiqué. Qu'est-ce que vous jugez de cette rencontre? Qu'est-ce que vous jugez de cette rencontre? Ce que je tire de la rencontre, c'est d'abord le fait que nous allons recentrer ce départ, non plus de manière bipolaire, mais le groupe de suivi, côté de suivi auquel on appartenait et qu'on avait quitté. Nous allons rejoindre ce comité puisque nous y avons transféré un certain nombre de solutions, notamment relatives aux élections. Nous pensons qu'on doit également profiter de cette opportunité pour parler de cette corde électorale. Vous vous souvenez que pendant les débats qui ont eu lieu l'année dernière sur l'élaboration, l'adoption de ce code, l'UFR a été le seul groupe parlementaire opposé à la promulgation de ce texte, à son adoption. Et nous avons été soutenus par toute la société civile. Nous en voyons les résultats aujourd'hui. Et je crois que le fait de le remettre dans les dispositions pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse, au niveau de ce comité, voir ce qui peut être fait, me satisfait particulièrement. La deuxième chose également, c'est d'avoir demandé qu'on arrête de cette bipolarisation de la. De la vie politique à Guinée. Pourquoi? Parce que où vous êtes complètement contre, où vous êtes complètement pour, il n'y a plus de possibilité d'évolution ici des partis politiques qui peuvent avoir des sensibilités différentes selon les problèmes. Je crois que nous venons, tous nos textes sont venus des textes français, nous avons un système qui permet aux partis d'évoluer selon leur perception à l'Assemblée nationale, et votre positionnement à l'Assemblée dépend des textes qui sont présentés. Vous n'êtes pas catalogué comme étant de droite, catalogué comme étant totalement de gauche. Je crois que Macron vient de nous en donner la preuve la plus édifiante. Il y a toujours une partie pour des griefs sur quatre communes. Est-ce que vous demanderez un reportage de voix ou comment est-ce qu'on devrait procéder pour rétablir dans vos lois? Écoutez, nous sommes arrivés ici dans l'esprit, comme tous les autres, de trouver une solution. Nous ne pouvons pas faire fi du fait que les choses ont évolué d'une certaine manière, mais nous souhaitons que le comité soit en mesure de proposer des solutions de sortie de crise. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Merci. Nous n'avons pas renoncé à nos communes pour autant. Merci.